en train de parler sur moi là-bas. Tu vas parler. Merci. Greta. Mon Dieu, quand. Oh, c'est ta maison là avant d'arriver à la cuisine pour prendre de l'eau là. J'avais envie de partir, mais tiens. Merci. Merci. J'ai encore quelque chose à dire. Je suis pressée de parler. Vas-y. Mon Dieu, quand c'est que. Tu viens d'où? Comme ça, et puis. Attends, je vais prendre ma respiration. Agité comme je courais, mais pour venir, tant le. J'étais chez les Grégorio. Ah, comment vont-ils? Ils vont bien. C'est quelle manière de répondre ça? Ils vont bien. J'ai répondu à quoi encore? Je les ai croisés à l'église. Il y a longtemps, on s'est vus. Wow. Je leur ai dit que je vais aller connaître la maison. Parce qu'en tant que tu sais qu'ils ont déménagé, ça fait réussir. Oui, ok, allons-y. Si je suis, je suis sûre que je n'ai rien à faire. Je dis que je n'ai rien à faire. Ah, ça, lui, donc, tu es tombée sur eux comme ça à l'église, comme ça, ils font et puis ils ont accepté. Ils ont accepté. Wow. Tu sais qu'ils sont gentils. Ouais, ouais. Ah, donc. Ah, c'est bien ça. On est arrivé. J'étais tellement contente. La maison est belle, hein. Quand tu es comme ça, là. Tu connais l'enveloppe. Je l'ai enveloppe. Avec une lettre d'un jus dedans. Grâce. C'est parce que tu n'as pas l'eau. Si j'allais glacer ma gauche. En tout cas. Moi, je n'ai pas dit. Qu'est-ce qu'il y a? La maison. Sale! Mais ça comme ça? Non. Tu vois les choses comme ça. Vous voyez les enfants. Quand je suis rentrée comme ça, j'ai dû la regarder encore. C'est qu'elle a pour le tu les connais. La dame là, comme ça, le monsieur aussi, comme ça. Tu les vois au fond des présidents. La maison est sale. Tu vois les enfants. Tu m'as demandé de faire le bénin, non? Non, mais moi, je ne savais pas que c'était quelque chose comme ça. Toi, tu tombes, tu vois des gens de façon impromptue. Tu leur dis que tu veux connaître chez eux. Ils acceptent comme ça de façon non planifiée. Et puis, tu vas et c'est ça que tu vois pour venir. Mais ça veut dire qu'ils ne sont pas propres à la base. Il faut le malin dehors, là. Oui. Les enfants, là, les habits, là, font comme ça. Moi, je dis, ah. Donc, tu étais à l'église et ton mari habillé comme ça, tes enfants sont à la maison. Tchè! Non. Monsieur, ce qui est sûr. Toi, tu es sûr. J'ai failli épeler. Quand on m'a dit d'épeler, ça a été éveillé, dis-le non. Hé! Grâce! En tout cas, ce n'est pas moi. Je serai mariée là. Mon chez moi, quel que soit Alpha Omega, clean. Mes enfants, clean. Non. Donc, on va faire le malin dehors. La femme est une louve pour la femme. Toi-même, tu es femme. Tu sais combien de fois même. Non. Les challenges qu'on a, la société nous met la pression. Les hommes nous mettent la pression. Maintenant, toi, tu vas chez un couple jeune comme ça, deux enfants à bas âge, au lieu de les aider, au lieu d'intercéder pour eux, tu t'en vas regarder tout ce qui est mauvais et puis tu viens les étiqueter de sale. Que si on t'avait demandé la définition de saleté, tu allais mettre le nom. Non, ça seulement, je ne suis pas d'accord. Et toi, tu es chrétienne. Quand tu es partie, tu as vu ça là. Tu ne peux pas intercéder pour eux. Mais la soeur ne peut pas nettoyer. Sa soeur ne peut pas nettoyer. Non, grâce à ça seulement, franchement, je suis déçue. Parce que moi, je savais que c'est ça là, il allait trouver ici là. Il allait garder mon burger pour quelqu'un qui m'arrange. Ah non, toi, tu me connais. Non. Si on doit parler de quelqu'un, c'est que c'est pour intercéder. Pour tirer leçon divine de la situation. Non, je sais pas, c'était comme ça. Non, elle peut prier, ça, c'est pas correct. La femme est vraiment une louve pour la femme. Toi-même, femme. Même zéro enfant déjà. Regarde la pression, regarde comment c'est dur. Un enfant, regarde comment c'est dur. À plus forte raison, deux. Et le mari, la maison. Attends, toi, tu es sûr que tu ferais mieux si tu étais dans un mariage, dans une union? On n'a pas me donner, tu vas voir. Non, je te vois ici, hein. Je te vois. Toi seul comme ça, là. Et puis, un seul travail. Et puis, tu finis de manger, te lever même pour aller à la cuisine, là. Le poids même de la journée au travail. On voit ce que ça fait. Faut arrêter ça. Non. Quand tu es partie, tu as vu ce genre de choses. Et puis, tu dis que tu es chrétienne. Au contraire, voilà ce que tu dois faire. Je vais te montrer ce que tu dois faire. Donne-moi ça.
Donne-moi ça. Merci Père éternel pour le couple Grégory. Merci Père éternel que tu as le plan parfait pour le mariage. Que l'homme, la femme se mettent un, ils forment une seule chair. C'est toi l'autre parfait Père éternel. Envoie l'harmonie dans leur couple Seigneur. Je prie pour que ce désordre Seigneur du puissant soit transformé en restauration, en ordre Seigneur. Là où il y a le chaos, tu mets Père éternel ton harmonie Seigneur. Donne-leur Père éternel de s'aimer l'un et l'autre et d'être là pour leurs enfants Seigneur. Donne-leur ta grâce afin de faire face à leurs responsabilités dans la maison, leurs responsabilités familiales, leurs responsabilités professionnelles et eux-mêmes individuellement. Au nom puissant de Jésus, que le sang de Jésus les rachète, ouvre leur entendement, les fortifie à prendre soin d'eux, de l'un et de l'autre, et des uns et des autres, et des enfants. Au nom puissant de Jésus, que ta compassion, Père éternel, et ta grâce les couvre et soit en action dans leur vie. Au nom de Jésus, voilà ce que tu dois faire. Si tu ne sais pas, je te dis. Après, tu vas arracher mes mains. Donc... Non, vraiment, femme. Parce que ça va être une visite. Ennemi de la femme. Et puis toi-même aussi, tu cherches mariage. Tu cherches. Qu'est-ce que mariage à avoir la propriété de tu cherches à diriger une maisonnée. Tu es sûr que du matin au soir, chaque jour, 5, 7 jours sur 7, quelqu'un va tomber chez toi comme ça, venir chez toi et ta maison sera nécessairement propre. Je suis malade au travail, ça peut gérer. Ouais, tu voulais casser. En tout cas, moi, la visite, je suis venue te voir. Je suis découragée. Même. En tout cas, tu es découragée. Moi-même, je suis déçue. Mais j'ai fermé ta bouche avec la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu sais comment faire. Quand tu vois des problèmes chez tes amis, femme comme garçon, de surcroît même femme. Toi, tu dois être la première à intercéder et non à condamner. La Bible dit, celui qui ne fait pas miséricorde, là, miséricorde ne lui sera pas faite aussi. Mais la miséricorde triomphe de la condamnation. Faut pas soi, c'est moi qui pars. Non, non, c'est pas. Moi, je pars parce que franchement, cette fois-ci, là, non. Je suis pas dedans. Excuse-moi. La jote, la macho. Tu n'as pas bon, hein? On peut faire guérir, me pardonner. Si vous trouvez des situations comme ça, là, intercédez, mais elle a douci. Je suis partie, hein? Bye!